وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبت الله الله تبارك وتعالى a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la religion de vérité et pour compléter les hautes moralités et les bons comportements et mettre en garde contre les défauts et les mauvaises caractéristiques et les mauvais comportements. Un des défauts qui peut nuire à la religion et à la vie d'un être humain, c'est la colère. Le fait d'être colérique, nerveux. La colère, c'est le fait que le cœur boue pour repousser un mal de peur qu'il nous atteigne, ou bien pour chercher à se venger d'un mal qui nous a atteint. C'est ça la colère. La colère a des causes. Une des causes de la colère, c'est qu'on soit attaqué par des choses que l'on n'aime pas de la part de gens qui sont plus faibles que nous. Car la personne, il se met pas en colère contre plus fort que lui. Il se tait. Ça, c'est connu. Parmi les causes d'être en colère, c'est de se sentir opprimé, ou bien de subir des injustices, ou bien d'être privé d'une chose que l'on considère être notre droit. Alors, cela peut pousser la personne à se mettre en colère. Parfois, c'est même des situations de la vie de tous les jours banales, mais des choses qu'il déteste et qui lui déplaisent. Parmi les causes qui poussent à être colérique et nerveux, il y a des maladies. Il y a des personnes qui sont malades psychologiquement. Ils ont besoin de se soigner. Et le fait que des personnes aussi soient dans le stress continuel du fait qu'ils travaillent avec un rythme trop poussé ou le fait de veiller trop les nuits, tout ceci sont des causes de faire naître et d'augmenter ce défaut en la personne qui est le fait d'être nerveux et colérique. La colère est naturelle chez l'être humain. Et elle n'est pas dans son entier mauvaise. Car si la personne n'avait pas du tout, ne se mettait jamais en colère, même pour des bonnes causes, il n'aurait aucun ressenti. C'est comme s'il n'aurait pas de cœur. Il voit le mal, le bien, n'importe quoi, ça ne lui fait rien. Donc ce serait un être humain insensible. Et l'être humain, Allah Ta'ala, ne l'a pas fait insensible. Il est touché par la peine, par la colère, par la joie, par les pleurs, par tous ces sentiments-là qui sont naturels chez l'être humain. Mais ceci est réglementé en islam. Même nos sentiments doivent suivre la raison et la raison, elle doit suivre la religion. Les sentiments sont sous la raison et la raison, elle est sous la religion. Et c'est comme ça qu'on arrive à se maîtriser. Même quand des sentiments prennent le dessus. Donc, si la personne n'avait aucune colère, ce ne serait pas une personne courageuse. Ce serait un peureux. Car parfois, la colère, ça pousse au courage. Ça pousse à affronter des situations qu'il est obligatoire d'affronter pour un être humain. Mais, comme a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, la colère a une limite qui est louable. Celle-ci est le courage et le fait de s'élever, de s'éloigner des bassesses, que ce soit dans les comportements ou dans les paroles. Et ceci est la complétude en cela et c'est ce qui est demandé. Mais si cela dépasse cette limite-là, la personne sera injuste et oppresseur. Et si cela diminue de cette limite-là,
la personne sera un peureux qui ne s'élève pas au-dessus des bassesses, qui est bas avec les paroles basses et les comportements bas, qui ne conviennent pas à un musulman ou à une personne honorable. Donc, on a su à travers ces paroles que la colère est de trois sortes. Celle, premièrement, qui est voulue et recommandée et obligatoire. C'est le fait que ce soit une colère qui nous pousse à être courageux, à avoir de la jalousie pour notre honneur, pour notre religion, pour avoir le courage et avoir de la jalousie quand quelqu'un est opprimé devant nous. Que cela ne nous laisse pas tranquille. On n'aime pas l'injustice. Cette colère-là, elle est demandée. Et il y a plusieurs preuves sur cela. Dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, il rapporte que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une femme jeune vierge dans le coin de sa maison. Et quand il voyait une chose qu'il détestait, on le voyait sur son visage. Son visage rougissait, se mettait en colère. Quand Abdullah ibn Mas'ud est venu rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait un partage, qu'une personne a dit, ceci est un partage dans lequel on n'a pas voulu le visage d'Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et son visage a changé de couleur. Mais comment il a réagi? Il a dit, mon frère Moussa a reçu plus de tort que moi, pourtant il a patienté. Donc quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait ou entendait une chose que Allah n'aime pas, une des limites d'Allah qui est dépassée, que ce soit dans ce que Allah a ordonné ou dans ce qu'Allah a interdit, ou qu'il voit une personne opprimée injustement devant lui, ou qu'il entend qu'une personne s'est fait opprimer, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se taisait pas et il parlait, et s'il pouvait arrêter cette personne, il l'arrêtait. D'ailleurs, une fois il est rentré chez lui, il a vu Aïcha radiallahu anha qui avait mis des rideaux avec des images d'êtres vivants dessus. Il s'est mis en colère, son visage a rougi, il a enlevé ses rideaux et il a dit, ceux qui subiront le plus grand châtiment le jour du jugement dernier, c'est ceux qui font ces images. Donc plusieurs hadiths, plusieurs preuves montrent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait les limites d'Allah dépassées, il se mettait en colère. Parmi ces hadiths, le hadith de Aïcha radiallahu anha qui a dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé de sa main ni une femme, ni un esclave. Et jamais il ne s'est vengé pour sa propre personne, mais quand il se vengeait, c'est que pour Allah. Ça, c'est la première partie qui est nécessaire pour chacun pour avoir le courage de faire ce qui est obligatoire pour tout être humain qui a un minimum d'honneur. La deuxième partie, c'est celui qui n'a pas de colère du tout. Insensible. Une personne insensible. Il voit quelqu'un se faire sortir de l'eau devant lui, ça lui fait rien. Il voit de l'injustice, ça lui fait rien. Il voit que sa famille, ses enfants sont maltraités chez lui, ça lui fait rien. Insensible. Peureux. Ceci est interdit aussi. Et il y a la colère qui dépasse la limite. Celle qui te pousse à faire des actes, à dire des paroles, à être dans des situations qui sont contradictoires à ce qu'Allah a ordonné. Par exemple, quelqu'un te fait une injustice. La personne, elle se met en colère, elle se venge sur lui, sans limite, sans règle, et elle dépasse l'injustice que la personne lui a faite. Qui est après l'injuste dans cette histoire? C'est lui qui devient l'injuste, même si c'est le premier à avoir subi l'injustice. Donc, cette colère qui vient couvrir la raison, qui vient couvrir le cœur, qui fait que les veines de la personne enflent et que les insultes et les mauvaises paroles sortent de sa langue, et que sa main va toucher et frapper n'importe quoi, et il parle de ce qu'il ne maîtrise même pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Mais le fort, c'est celui qui arrive à se maîtriser quand il est en colère. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander conseil. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Trois fois. Parmi les méfaits et les mauvaises conséquences de la colère, premièrement, c'est que la colère vient obstruer la raison. La personne, quand elle est en colère, elle n'est pas capable de raisonner logiquement. Elle va faire des choses, elle va dire des choses qu'elle va regretter plus tard. Que si elle n'était pas en colère, elle ne l'aurait pas fait, elle ne l'aurait pas dit. Cette colère, elle peut aller même jusqu'à ce qu'il blesse des gens ou qu'il tue des gens. Pour montrer la gravité de la colère, ça peut aller jusqu'à où ? Faire couler un sang sacré. Parmi les méfaits de la colère, c'est que la personne colérique et nerveuse, elle n'a pas une bonne image au milieu des autres et au milieu de la société. Il est clair que tout le monde aime les gens indulgents, les gens calmes, les gens posés. Et elle n'aime pas les gens colériques, car il donne une image de lui qui fait peur. Quelqu'un en colère, comment son visage il est? Comment il bouge? Alors, ça fait qu'il n'est pas aimé chez les gens, et rejeté, et que sa parole n'est pas acceptée. Parmi les méfaits de la colère, c'est que la personne qui se met en colère, elle ne gagnera pas la grande récompense de ceux qui se retiennent pour Allah, et qui avalent leur rage pour Allah. Cette récompense qui est citée dans le hadith d'Abu Daoud, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retient sa rage, qui retient sa colère, alors qu'il a la capacité de la laisser éclater. Allah l'appellera le jour du jugement dernier, à la tête de toutes les créatures, pour lui faire choisir parmi les hours, les femmes du paradis, celles qu'il veut. Car quelqu'un qui est faible, qui n'est pas courageux, c'est facile de ne pas s'énerver pour lui. Mais quelqu'un qui est capable, il est capable de terrasser son adversaire. Il est capable de se venger, mais il se retient pour Allah. Il se retient pour Allah, pour ne pas être lui-même un oppresseur, pour ne pas être lui-même injuste, pour gagner la grande récompense auprès d'Allah des gens qui retiennent leur colère. Il est donc nécessaire de se soigner de ce défaut. Premièrement, en demandant protection auprès d'Allah contre Shaytan lapidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne très fâchée. Il a dit, je connais une parole que s'il la disait, il sortirait de cet état. Il devrait dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Aussi, parmi les causes qui allègent la colère, c'est de changer de position ou de situation. Quand on est debout, on s'assoit. Quand on est assis, on s'allonge. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ceci a été mis en pratique par un de ses compagnons. Il était sur une monture et une personne lui a dit une parole qui l'a mise beaucoup en colère. Il est descendu, il s'est allongé par terre. La personne lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'allonges par terre? Il a dit, tu m'as mis en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une personne parmi vous se met en colère, s'il est debout, qu'il s'assoie. Et ceci fera partir la colère. S'il n'arrive pas, alors qu'il s'allonge. Parmi les causes pour combattre cet état, c'est de se rappeler des grandes récompenses et des grandes vertus et des récompenses qu'Allah a promis à ceux qui retiennent leur rage, comme le hadith qu'on a vu auparavant, où il sera appelé le jour du jugement dernier, ou comme tous les versets où Allah tabaraka wa ta'ala parle de ceux qui retiennent leur colère, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Ali Imran, ceux qui dépensent dans la facilité et dans l'adversité, qui retiennent leur rage et qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaiteurs.
Parmi les causes de se soigner de cette maladie, il y a le fait de se rappeler de la situation de la personne indulgente et calme qui est aimée auprès des gens et dont sa parole est acceptée auprès des gens, et de se dire que de se mettre en colère, cela ne va qu'empirer les choses et non pas arranger les choses. Serviteur d'Allah, comme nous le voyons, il n'y a pas un aspect parmi les aspects de la vie humaine, ne serait-ce que ces sentiments, comme celui dont on a parlé aujourd'hui, la colère, sans que l'islam ne soit venu donner une éducation et un chemin et une définition et des règles claires pour que l'être humain vive dans la justice et dans la paix et dans la tranquillité, qu'il ne soit pas dans l'injustice et le trouble. Et ceci n'est possible que si la personne apprend sa religion correctement et connaît les règles de l'islam en détail et les met en pratique en cherchant par cela le visage d'Allah. N'oubliez pas que cette vie est un passage, que nous allons rendre des comptes devant notre Seigneur et qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous demander des comptes sur notre pratique des ordres d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas sur d'autres considérations dont il n'a que faire, subhanahu wa ta'ala. Fa nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqna jami'a lima yuhibbu wa yardah wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab walhamdulillahi rabbil alamin. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.